Je pense que la première partie, ce qu'il faut voir, c'est pas forcément un levier, mais c'est plus un état d'esprit, c'est de savoir que l'acheteur en B2B aujourd'hui est très digital et surtout, il a pris beaucoup de ses expériences en tant que consommateur. Il est très social, il va aller sur beaucoup de plateformes différentes, il va faire les recherches lui-même, rester anonyme, éviter de parler avec le vendeur. Il veut être indépendant, en fait, il est indépendant. Donc, il faut garder ça en esprit quand on met en place notre stratégie marketing. Le contenu est très important, c'est utilisé sur tous ces leviers, toutes ces plateformes, et il faut surtout que ce contenu soit pertinent par rapport à l'acheteur. Il faut que les segments soient importants, qu'on personnalise le contenu par rapport à ça. Et donc il faut vraiment rentrer ça dans sa stratégie, dans ses budgets et dans ses efforts, de focaliser ses efforts sur les comptes, de connaître des actions d'engagement en fait, de ces comptes-là, même s'ils sont anonymes, et ses budgets sur les comptes qu'on souhaite gagner et gagner plus de revenus dessus.